Salut à tous, c'est Ben de Bunker Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 7ème épisode sur le Let's Play d'Assassin's Creed Valhalla sur Xbox Series X. Donc, dans le précédent épisode, nous avons débloqué le saut de la foi et d'autres petits trucs et nous sommes arrivés en Angleterre. Donc là, on va aller parler à Sigur pour, je pense, finir la quête installation, étant donné que j'ai aidé Gunnar à avoir sa forge et les assassins à avoir leur bureau. Eivor, par ici. Que vas-tu installer dans cette salle? Ma meilleure arme, car cette pièce sera la tienne. Quoi? Tu pourras y dormir, suspendre ta hache, ou te noyer dans tes pensées. Est-ce qu'elle te plaît? Elle me va très bien, mais je serai tout aussi bien avec les guerriers sur le quai. Je n'ai pas besoin d'un traitement de faveur. Je crois que tu te méprends. Je tiens à t'avoir ici, dans la Maison Longue, près de moi. Je suis peut-être le Jarl de ce clan. Mais nous dirigeons ensemble, depuis toujours. Alors, habitue-toi à ta pièce, et quand tu seras prêt, rejoins-moi à l'écurie. Ah, je vais me tenir prêt, on va aller à l'écurie. Waouh, consulter. Ok. Une boîte pour les messages et les requêtes. J'ai rarement eu un aussi bon lit et un endroit aussi agréable pour me reposer. Ça n'est pas grand-chose, mais c'est à moi. Là, on va aux écuries. Prêt à chevaucher d'un moment à l'autre. Compte sur moi, mon ami. Radieux est le chemin devant nous. Chemin qui nous mène à la gloire. Que se passe-t-il? Basim nous quitte déjà? Et Sigurd compte partir, lui aussi. Quoi? C'est vrai? Nous savons que les fils de Ragnar sont installés au nord. Il nous serait utile de leur rendre visite pour renforcer nos prétentions sur ces terres. Et c'est là qu'est allé Basim? Les motivations de Basim lui sont propres. Laisse-le faire. Nous avons des tâches plus pressantes. Je vais aller dans le Leicestershire, jusqu'à une ville appelée Repton. Eivor, je compte sur toi pour m'y rejoindre quand tu en auras fini ici. Je peux venir tout de suite. Il me faut un cheval. Pas encore. Va d'abord voir Ranvi. Elle a plusieurs tâches à te confier ici. Ok. En plus de faire grandir cette colonie, tu vas devoir nouer des alliances. On ne peut espérer pacifier l'Angleterre avec si peu d'amis. Dans ce cas, je dois t'accompagner, Sigurd. Je suis un meilleur compagnon pour les longues routes. Non, Dag. Ta place est ici avec les guerriers. Et tu feras ce que t'ordonnerait Eivor. Ouh, je suis devenu ton chef. Sois prudent, mon frère. Je te rejoindrai dès que je le pourrai. Oui. Et moi, je veille sur nos pillards. Faire ce qu'ordonne Eivor. Il me met à l'épreuve. Peut-être bien. Sigurd est quelqu'un de sage. Je préfère encore devoir obéir à un pou. Oh le bâtard. Oh, tu mériterais un coup dans ta tête. Parler à la femme de Sigurd. Ah, tu es là. Tu désirais me voir? Ainsi que l'a ordonné Sigurd, il nous revient d'étendre notre présence en Angleterre. Il veut forger des alliances, solides, avec tous les gens du Nord, Danois et Saxons qui vivent ici. Oui, nous venons d'ailleurs. Il sera utile de se faire des amis. Par où commencer? C'est possible. Mes éclaireurs m'apportent chaque jour des nouvelles et informations intéressantes, et je commence à me faire une idée de cette contrée divisée. Au fur et à mesure, je pourrai te fournir un aperçu de chaque territoire avant que tu décides de t'y rendre. Oui, entendu. Lorsque tu auras conclu une alliance avec un territoire, reviens me l'annoncer. Nous déciderons alors de la prochaine manœuvre. Je comprends. Bon, par où commence-t-on? Deux possibilités s'offrent à nous.
rejoindre Sigurd dans le Leicestershire, au nord, et rencontrer les fils de Ragnar Lodbrok, ou aller au sud dans le Grand Britshire pour rencontrer une armée de Danois menée par un Jarl du nom de Guthrum et son bras droit Soma. En outre, notre jeune ami Aitam a échangé avec ses propres contacts dans les villes. J'ai ajouté ces informations sur la carte au cas où tu voudrais savoir ce qu'il a découvert. Okay. J'aimerais voir la carte des alliances. Convoite un territoire pour confirmer votre fait d'alliance. Ok. Ok, ça c'est trop puissant. Ça et ça c'est jouable. Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt rejoindre Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg du nom de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercie, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Non, je vais d'abord m'occuper de lui. Parle-moi du Grand Breacher. Une force de Danois que les Saxons appellent l'Armée d'été campe au nord de Grand Bridge, près des ruines, sur l'autre rive. Nous devrions cultiver les faveurs de ses chefs, Guthrum et Soma, si nous voulons gagner leur confiance et leur allégeance. Mes éclaireurs ne les ont pas rencontrés, alors je ne sais que peu de choses sur l'état de cette armée. Considère cela comme un point de départ. Moi, je vais aller là. Je vais partir tout de suite. Bien. Et puissent les bénédictions de Freya t'accompagner. Alors... trouver l'armée d'été. Ok, donc faut que j'aille où? Est-ce que par contre, ouais, je vais d'abord faire ça et après j'irai voir les mecs là. Faut que j'aille synchroniser, mais je vais d'abord synchroniser le truc, synchroniser ces deux points là. Que c'est la montagne qui est là. Hop, on prend le chemin là. Allez, les chevaux, avance. C'est un peu lent, hein. Je vous l'accorde. On synchronise. Hop, un petit saut de la foi. Parfait. Alors. Voilà. Oh. Sérieusement? Bon.
Sympa. Premier freeze de la Xbox. On relance. Désolé pour ce petit contretemps. What? Allez, la série X. Fais pas de caprice, merci. Les aurores boréales, c'est magnifique. La mission est là. Ok. On va prendre le point. Ouais, je peux y aller par là. Donc on va aller. Ah, les deux. J'aurais pas pu descendre avec le cheval de toute manière. Ah, je m'attendais à avoir de l'eau vraiment profonde. Ah mais c'est mon village. Ah, mince, c'est un nouveau village là. Eivor, mon écurie laisse à désirer pour l'instant. Si tu peux me construire quelque chose de mieux, je... Ok, je pourrai du bois. Ok, je m'en occupe. Le pillage est le moyen le plus sûr d'acquérir des trésors et des matériaux afin de bâtir notre colonie. Thank you.
Allez, grimpe. Il court aussi. Mètres par là. Vraiment, les jeux de lumière, ils sont tellement jolis avec l'arbre et tout, c'est tellement joli. Oh, c'est si loin. Passer avec avec le cheval. Oh, même la lumière qui se reflète dans le noir, enfin dans l'eau, pardon, qui s'éclate comme ça, là, c'est magique. C'était bizarre, ces mecs. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Il y a bien de la vie. Ranvi a parlé de cet endroit, le dernier emplacement connu de l'armée d'été. Mal lui. Ah ouais, puissance 90. Synchronisé. Ma première mort dans Assassin's Creed.
J'ai voulu me battre contre un mec plus fort que moi. C'était une mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Et un allié. Je cherche l'armée d'été. Le chef du campement est en haut. Tu ne peux pas le rater. Ces Saxons nous ont surpris des armées. Il y a des chrétiens d'attaquer pendant notre sommeil. Salut à toi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui es-tu? Eivor, du clan du Grand Corbeau. Vous n'avez pas réussi à prendre le village? Si. Si, nous l'avons eu pendant un moment. Ce n'était que quelques huttes entorchies à notre arrivée. Nous l'avons rendu plus vivant. Grand Bridge était un marché joyeux et florissant, du temps de Soma, notre Jarlskonna. Mais les Saxons l'ont repris. Ils sont apparus dans la ville comme surgis des ombres, et ils nous ont chassés. Sont simplement apparus en ville? C'est comme s'ils avaient surgi du centre de la ville, incendiant tout sur leur passage, hurlant des choses incompréhensibles à propos d'un ancien ordre de guerriers. Lorsque j'ai aperçu les feux, l'ennemi avait déjà tué ou capturé trop de gens. Soma, notre Jarlskonna, a sonné la retraite et nous nous sommes réfugiés dans ses ruines. Mais dans cette confusion, nous avons été séparés. Soma est parti avec le gros de nos troupes vers le nord-est, dans les marais. Si nous étions en état, je la rejoindrais. Nous avons besoin de sa force. Je peux retrouver Soma. Soyez prêts quand nous reviendrons. Elle doit être dans les brumes des Fenland maintenant. Le mieux sera de chercher son navire. Ok. On va aller la chercher. Je vais juste monter et synchroniser la tour. Tellement joli. Vraiment, je suis bouche bée par la finesse des graphismes et tout ça. Je vois la différence avec la One X. La série X et la One X, on voit une grosse différence. Trouver et rejoindre le navire de Soma. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Oh, il va avoir de la baston. J'ai trouvé le navire. Ok.
J'ai vu tout ce que je voulais voir. Allez, on y va. Oh, mais les détails sont ouf. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici. Soma ne peut pas être loin. Il faut que je jette un coup d'œil. Dommage qu'on ait pu faire des prisonniers. Ils vivront juste assez longtemps pour servir d'exemple aux autres. Arrête-toi ! La colère de Wing Moon est aussi féroce que... Oh, magique. Je vais t'achever. Les Nornir te soient clément. Merci. Sur la berge, avec des marques danoises. La Jarlskona est près d'ici? Non. Soma a attiré les Saxons à l'est de son navire pour les épuiser et les perdre dans le brouillard. Nord, sud, est, ouest, à l'est. Sénine. Je vais m'orienter vers le village.
t'es pas planté là. Ouf. Elle a plus de tête, notre cher ami. D'accord que la flèche elle fait un petit zing. Attends, il y a une armure ici. Il y a une arme. Dans la hutte. Pourquoi tu t'enfuis? Tu m'attaques mais tu t'enfuis après. Assume. Par où on peut rentrer dans cette hutte? Ah, en bas. Je respecte rien, rien à faire. Ça, c'est réglé. Enfin servi de la lame. Lui, elle est par là. Allez, qu'on la trouve un peu. Ouais, barrez-vous. De la trouver là-dedans. Ça va être compliqué. Oh, je vois rien. Que dalle. Que dalle.
Les hommes à elle. Planqué où? Alors, le bateau il est là. J'essaie d'écouter les bruits pour essayer de la trouver. Elle est quelque part dans les marais et à l'est de son. À l'est. À son bateau et on va s'arrêter là pour cet épisode. Quand je serai à son bateau, on va juste faire utiliser les points de compétences pour les rajouter, enfin augmenter mon arbre de compétences de façon complète. Ok, et au prochain épisode on partira de là. Hop, inventaire, on va déjà mettre les bottes que je viens de récupérer, de belles bottes de chasseur. Est-ce que j'ai une rune? Non, j'ai pas de rune. Sac. Ok. Je peux l'améliorer? Oh. Bon, on va l'améliorer. C'est la hache de notre père. Ah, et non, c'est les points de compétence que je voulais aller. Hop. Robe dans le dos, discrétion. Ok, le blanc, le rouge, c'est le côté barbare. Ah, 5% de santé en plus, 5 points de santé en plus. Je dirais pas non. Ça c'est la discrétion. Ça c'est la distance. Dis donc. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, trois et trois, six, sept, huit. Il y en a plus là. Ça, c'est quoi? Ça peut servir. Donc là, j'ai plus de points de compétences. Normalement, là, ça devrait être. Donc on s'arrête pour cet épisode-là. On se retrouve pour le prochain. Allez, à plus.